potes, c'est Mélo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information. La saison 5 a fuité, les potes. Donc du coup, bah, si vous voulez avoir ces informations, les potes, il vous suffit juste de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir, je compte sur vous. N'hésitez pas à partager, vous êtes les boss, je vous kiffe, je vous aime. Sur ce, on va partir en game sur Fortnite. Et puis, bah, je vais vous balancer les informations qu'on a eues sur cette saison 5 qui risque d'être plutôt pas mal. Allez, c'est parti, à tout de suite les potes. Ok les potes, c'est parti, on y va. Comme vous pouvez voir, je me dirige vers un spawn où il y a de la neige. Et oui, pourquoi? Parce que la saison 5, les potes, elle arrive un mois avant Noël, les potes. Et du coup, qui dit Noël, qui dit neige? Et oui, au moins, on aura de la neige sur Fortnite, les potes. Du coup, et ben voilà, la saison 5, la neige arrive, qui veut dire neige cadeau, etc. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de cadeaux. Et oui, et oui, et oui, avec Mélo, il y a des cadeaux. Du coup, la neige fait son retour, les potes. Comme pour le chapitre 1, pardon, comme pour le chapitre 1 avec le roi des glaces. Du coup, on remet ça sur la saison 5, les potes. On attend de voir ce qui va se passer. Ça risque d'être plutôt pas mal. Bon, là, je me suis un petit peu loupée. Bref, voilà, on arrive sur le spawn. Voilà, donc la neige fait son grand retour. Qu'est-ce qui va arriver dans cette saison 5, les potes? Et bah, tout simplement... J'ai vu quelqu'un passer, là, non? Ah non. Pas trop. Tout simplement, dans cette saison 5, on va avoir plein de nouvelles choses. Plein de nouvelles choses, je pense, qui vont plaire à pas mal de gens. Du coup, n'hésitez pas, les potes, à me dire en commentaire si ce que je vous annonce vous plaît ou pas, ou ce que vous aimeriez avoir de plus sur la saison 5, les potes. Du coup, on est parti, on se fait une petite game et je vous raconte tout ça. Du coup, dans cette saison 5, on aura tout d'abord un truc qui peut être pas mal, qui a été bien pensé, on va dire. Qui a été plutôt bien pensé, j'avoue. C'est... donc, ce sera des quêtes. Des quêtes, les potes. Alors, qu'est-ce que ça va être des quêtes? Du coup, il va y avoir un personnage qui va nous donner des choses à faire. C'est-à-dire qu'il va peut-être, exemple, nous dire « Allez chercher, allez ouvrir tel coffre et puis revenez me voir. » Donc, on va aller ouvrir le coffre, on revient le voir et là, poum, cadeau. Il nous donne un cadeau. Il y a quelqu'un. Voilà. Bon, c'était facile, ça va. Heureusement... finir ma vidéo quand même. Dis donc, on peut pas me laisser tranquille. Donc du coup, je disais un personnage. Donc le personnage, je vous le montre, ce sera le bonhomme de neige. Voilà, qui nous donnera des quêtes à effectuer avec des cadeaux. Voilà les gars. Du coup, ça peut être pas mal. Ça peut être plutôt pas mal. C'est une bonne idée, moi je trouve. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est une bonne idée. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les potes, si vous trouvez que ça, ça peut être sympa au niveau des quêtes avec un personnage. Voilà, si, ce que vous en pensez, tout simplement. Dites-moi si vous allez kiffer ou si concrètement, peu importe, ça... vous en foutez, quoi. Voilà, dites-moi en commentaire, les gars. Ensuite, les potes, on aura le grand retour, même pas le grand retour, puisque il nous en avait parlé au niveau de la saison 4, il nous en avait parlé au niveau de la saison 4, il était censé arriver, alors attendez, il était censé arriver mais il n'est pas arrivé, et du coup là, on l'attend pour la saison 5, les copains, du coup, ce sera... Alors, attendez, j'y vais. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Bon, c'était des bots, hein, mais bon, voilà. Au moins, je suis tranquille. Je peux continuer à vous balancer les infos. Du coup, celui qui va arriver, je vous montre tout de suite, c'est le canon à shield. Et oui, le canon à shield, les potes. Du coup, ça peut être plutôt pas mal. Donc, on a le canon ou le bazooka, hein, comme on l'appelle. Le bazooka à bandage. On aura le bazooka à shield. Qui peut être plutôt sympa, franchement. Ça peut être bien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, ça c'est fait. Donc du coup, voilà, le bazooka à shield, ça peut être une bonne nouvelle. Franchement, j'ai hâte qu'il arrive, parce que en section, comme le bazooka à bandage,
ça peut être bien. Ça peut être bien. N'hésitez pas, pareil, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est cheaté, si c'est pas cheaté, si c'est nul, si c'est pas nul. Voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours sur ces nouvelles informations. En tout cas, moi, j'ai hâte. En tout cas, moi, voilà, ça fait plaisir. Mais what? Il est où? Voilà, ça c'est fait. Ok. En même temps, je fais la game, je galère un peu. Hein. What? Ok. Bon. J'aime pas les fantômes, j'aime pas les fantômes. Alors ça, franchement, j'ai hâte qu'Halloween soit terminé, les potes. Parce que les fantômes, sérieusement, c'est chiant. Sérieusement, c'est grave chiant. Moi, j'en ai marre. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais... Mais les fantômes, c'est chiant. Bref, voilà, passons. Donc là, on aura donc le bonhomme pour l'instant. Le bonhomme qui nous donnera des quêtes à effectuer. Attendez, il y a quelqu'un. Du coup, ils reviennent tous me buter, c'est chiant. Donc, le bonhomme qui nous donnera des quêtes à effectuer, les potes. Ça peut être sympa. Ensuite... Comme je l'ai dit, le canon à shield. Le canon à shield. Attendez, je me soigne avant qu'il y en ait un qui arrive. Ok. Voilà. Donc, le canon à shield. Ensuite, on aura... Alors là, c'est assez rigolo, les potes. Du coup, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Parce que je pense que beaucoup de gens ne vont pas l'utiliser. Parce que ça prend une place dans un inventaire. Et oui, regardez, un extincteur, les potes, un extincteur. Et oui, puisque depuis peu de temps, on peut mettre le feu. On peut mettre le feu avec soit les petites lucioles, soit les bidons d'essence. Donc, du coup, ils ont mis un extincteur. Logique, pour éteindre le feu, on met un extincteur. Ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense déjà avoir la réponse. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire d'un extincteur. En plus, ça prend une place dans l'inventaire. Moi, perso, les potes, je l'utiliserai pas. Après, à voir. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est bien. Après, je ne sais pas. Voilà. Du coup, donc après ce nouvel extincteur qui est un peu cheaté, on va avoir autre chose qui va arriver. Et là, je pense qu'il va y avoir un tremblement de terre dans les joueurs de Fortnite. Parce que là, les potes, on va avoir la Renegade Rider en mode... pain d'épices. Et oui, regardez la Renegade Rider en mode pain d'épices, les potes. Le spécial Noël. Le skin le plus rare du jeu en mode Noël. Pain d'épices. Ça, c'est une dinguerie. Direct, je le prends. Il est trop d'art. Et du coup, eh ben Mello le fera sûrement gagner à un de vous, parce que je vous kiffe et parce que bah, vous le méritez bien, du coup, hein, donc voilà. Donc, il y aura ce skin à gagner, j'ai trop hâte qu'il sorte, j'ai trop hâte que Noël arrive, franchement, ça va être super génial. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez hâte que le skin arrive, le skin Renegade Rider, en mode pain d'épices, les potes, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis du coup, déjà, on va aller GoZone, hein. On a 8 kills, on est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal sur cette game. Bon, il y avait des fantômes, mais les fantômes, ce serait bien que ça se barre quand même. Ce serait bien que ça se barre. Ensuite, nouvelle info, les potes, au niveau de la sortie de la PS5 et de la Xbox. On sait déjà qu'il y aura un skin spécial PS5. Pour l'instant, ça a fuité, donc on aura un skin spécial PS5. Mais au niveau de la Xbox, rien n'a fuité. Voilà, rien n'a fuité, donc on ne sait pas s'il y aura un skin... au niveau de la Xbox. Mais au niveau de la PS5, déjà, ça, c'est sûr. C'est sûr et certain, il y aura un skin spécial PS5. Donc, voilà, au niveau de ça. Dites-moi si vous avez des questions. Des questions, dites-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous attendez de plus sur cette saison 5, les potes. Au niveau de la saison 5, si vous attendiez autre chose de ce que je vous ai annoncé. Et puis, voilà, on va se finir cette petite game ensemble. Toi, dégage, déjà. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on peut retenir, les potes, sur cette saison 5, la neige revient, comme dans le chapitre 1, avec le roi des glaces. On va avoir Bazooka. Ah, ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai fait du caca, là. Voilà.
Donc on va avoir le bazooka à shield, ça va être bien. Le skin renegade en mode pain d'épices, les potes. Ensuite on va avoir le bonhomme de neige qui va nous donner des quêtes où on pourra gagner des cadeaux. Ça peut être super sympa les copains. Et du coup voilà, donc j'ai hâte de voir cette nouvelle saison 5. Et puis pour l'instant, on va aller au fight hein. On va aller au fight. Moi j'ai fini de vous donner les informations, j'espère que ça vous aura plu. En attendant... Voilà, ça c'est fait. N'oubliez pas les potes de partager, de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dites-moi si vous aimez les vidéos d'information aussi. J'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. Du coup, quand j'arrive à choper les infos, je vous ferai une petite vidéo info. Là, j'ai réussi à choper 2-3 infos. Du coup, je vous balance tout ça. En espérant qu'Epic Game ne repoussera pas, hein, comme le bazooka Shield qui devait arriver cette saison et qui n'est pas arrivé du coup. Donc voilà, on verra bien. On se finit cette game ensemble. Zébardi ! J'aurais bien voulu trouver un autre pompe. Wesh, 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 wesh. Et il m'a bien bourré celui-là. Voilà. En fait, on combat plus des fantômes que des êtres... Que des joueurs normaux. C'est chiant. Bon, ok, c'est des joueurs normaux, mais... On combat plus des fantômes après qui viennent nous faire embêter. J'allais dire un mot pas bien. Nous embêter. C'est parti. On n'est plus que 7 en game. On n'est plus que 7. Donc déjà top 7. En faisant cette vidéo d'info, j'y croyais pas. Hein. Je me suis dit, je vais la recommencer 50 millions de fois cette vidéo. Parce que bon, vous connaissez le niveau de Mélo. Hein. Du coup, voilà quoi. Ça fait un peu flipper les bruits de fond là, non? Vous trouvez pas? Wesh! On se casse, hein? On se casse, les gars. Ah ouais, on se casse, putain, je me... Non! Il est dans l'arbre aussi, lui! Non, mais il est... Oh non, j'ai bugué. Oh non! Bon, voilà. Voilà, ça c'est fait. En attendant, j'ai réussi à vous faire. Donc, je vous ai fait cette petite vidéo info, les potes. Du coup, on est en mode fantôme. Allez, on se finit. On se finit. Il reste 4 personnes. C'est parti ! On va se le faire, lui. Il nous a buté. Ah bah d'accord, ok. Ma place 36 alors qu'on était 7. Non, je crois que ça a bugué là, le truc. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, on s'est fait une petite game. Petite game, 14 kills quand même. 14 kills, ça fait plaisir. Même s'il y a des fantômes, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, voilà, j'espère que cette petite game avec cette vidéo info vous aura plu, les potes. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, tout ce que je vous ai demandé. Si ce qui arrive dans la saison 5 vous plaît ou si... Bah non, ce que vous auriez voulu, c'est important, n'hésitez pas surtout à me dire tout ça. Sur ce, je vous laisse, j'espère que, comme d'hab, la vidéo vous plaira. Je vous dis ciao !